Mardi 7 août 2024, VOA Creole content entrer la CAO pour le présenter un programme dans langue créole haïtienne. Moi, c'est Jacqueline Bélizère. Un plaisir, l'autre fois encore, pour nous avoir quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité électorale aux États-Unis, gros rassemblement populaire dans Pennsylvanie hier, côté vice-président démocrate la Kamala Harris, te partagé un podium à Colistelli, gouverneur Tim Walz, républicain, déjà réagi sous choix ça. Toujours dans l'international là, dans Bangladesh, prix Nobel la paix, économiste Mohamed Yunus apparaît pour prendre tête au gouvernement intérimaire après démission premier ministre Sheikh Hasina qui trouvait dans New Delhi, dans pays Inde. Et puis dans pays d'Haïti, parti Petite Dessalines qui gagne en tête l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles lancé un ultimatum by président BNCA, Raoul Pierre-Louis, dans scandale corruption qui impliquait représentant l'INA CPTA, Emmanuel Vertilaire. Et c'est pour ça, yo, avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Actualité électorale là, ici aux États-Unis. Gros rassemblement populaire hier en Pennsylvanie, côté vice-président Kamala Harris, t'es partagé un podium à Colistelli, nous voulons dire candidat pour vice-présidence pour parti démocrate là, en parlant de gouverneur Tim Walz. Républicains ont déjà réagi sous candidature. Monsieur Walz, nous pourrons gagner plus de détails avec Jean-Robert Philippe. Philadelphie, ville côté des ancêtres américains, ont été déclarés indépendance pays, a été montré mardi sur tout là, sommet démocratie de partis politiques, on a parlé de démocrates avec républicains, qui étaient organisés deux rassemblements populaires dans la ville là. Pour la première fois, vice-président Kamala Harris, candidat pressenti parti démocrate là pour l'élection présidentielle là, t'est présenté Colistier, le gouverneur Minnesota, Tim Walz, qui complétait ticket parti démocrate là pour l'élection novembre, non, face à candidat républicain Donald Trump avec J.D. Vance. Tim and I have a message for Trump and others who want to turn back the clock on our déclaré, freedoms. Tim moi-même gagne un message pour Donald Trump à Claude qui voulait tourner vers là sur liberté fondamentale. Non pas tourner derrière. Soldats dans l'armée, enseignants dans le lycée, entraîneurs de football avant de venir tourner politicien, Walz a lancé une attaque directe sur le candidat qui représentait le parti républicain. Si Walz déclaré pendant l'assemblée en Philadelphie, c'est observation par moi, lui dit, ou qu'on aime, ou sent-il. Monsieur Sayo fait son tressaillis, et oui, il est bizarre, même Jacques l'en fait. C'est ça, ouais. Quelques démocrates déclarés, Walz a mené tourner ancien démocrate Trump, qui vit dans l'État qui est capable de changer le résultat de l'élection. Dans l'analyse, je l'ai déclaré, moi, c'est un groupe démographique qui n'a pas Harris a besoin pour le gagner. Et moi, Tim Walz vraiment parlait avec l'électeur Sayo. Quelques temps avant le rassemblement démocratique, dans l'autre quartier dans la ville, vice-président désigné parti républicain, J.D. Vance, organise un propre rassemblement pâle avec une touche unique. Répond à la question médias. Candidat pour poste vice-président parti républicain utilise quelques mots pointus pour candidat pour poste vice-président Harris. Tim Walz's record. Dossier Tim Walz, c'est une plaisanterie. Il s'est une famille radicale plus extrême gauche qui existe dans quel que soit niveau gouvernement américain. Vance frappe démocratie dans le domaine immigration, drogue, fentanyl, avec économie. Et lui-même, il est chute marché de la bourse là. Accident Kamala. C'est unusual to have a politician who's a writer too. This man, il est ici, t'es gagné en main. Livre mémoire 20 ans pendant l'étape suivre rassemblement populaire. Il est déclaré, l'inhabituel pour un politicien, c'est un écrivain en même temps. Donc, m'a observé. Dans 90 jours, électeur prend une décision entre un ancien président et un vice-président en exercice, mais l'équipe campagne Harris-là a cléonné un champ pour éviter Trump de retourner sur le pouvoir. Champ dit comme ça. Non pas tourner, non pas tourner. Caroline Pessouti t'es préparé à Tixa pour salle des nouvelles avant d'Amérique là. Et moi-même, Jean-Robert Philippe, t'es traduit et adapté pour VOA Creole depuis l'État Maryland.
Merci Jean-Robert Philippe. On dit que tous les deux partis ont continué à mener campagne plusieurs côtés dans partie, surtout dans zone côté que Mounio est décidé. À côté de Républicains, il y a plusieurs monde qui réagissent au choix gouverneur Tim Walz. Sandra Lemaire a mené nous dans Pennsylvanie. Candidat à la présidence Parti démocrate là, Kamala Harris, choisit gouverneur État Minnesota, Tim Walz, comme colistier le 6 août. Walz appuyé politique progressiste et lui communiqué en façon simple en tant que monde région américain relé que États-Unis, ça qui a attiré électeurs blancs dans zone rurale. Walz, 60 ans, c'est un vétéran garde national États-Unis, avec un ancien professeur l'école. Il était élu pour représenter un district qui a tendance à voter républicain dans la Chambre des députés en 2006. Il était servi comme député pendant 12 ans avant d'être élu monsieur gouverneur Minnesota en 2018. Patrick Egan, un professeur politique dans l'université New York, NYU, dit les quoi choix très progressiste. It's a very progressive ticket against a very conservative ticket. And so il dit c'est un ticket très progressiste contre un ticket très conservateur. Donc ça n'a pas gardé, c'est plus preuve de gros polarisation qui existait dans la politique États-Unis que aucun candidat n'a pas vraiment senti que tu as besoin d'attirer pendant qu'il a essayé d'encourager électeurs modérés à voter pour politique à priorité. Dans tous les deux cas, il est intéressant que vous ciblez électeurs modérés. J.D. Vance, prend pause Moonmon à Palaycha et puis Tim Walz lui-même prend pause chasseur à Moonzone rural Minnesota. Donc, nous vivons dans une époque côté style très important et c'est un bagage tous les deux candidats considérés. Par rapport à choix Walz en particulier, professeur Egan dit qu'il a attiré un groupe électeur important. Perhaps one of Walz's strengths is that he can speak to the kind of voter was not particularly drawn to Hillary Clinton in 2016. Il dit peut-être une à tout Walz, c'est qu'il a parlé à qualité électeur qui n'est pas tellement fou pour Hillary Clinton en 2016. Mais évidemment, il a décidé de voter pour Joe Biden en 2020. Électeur, ça y a grand monde, blanc, modéré. Et en plus, il a voté pour Biden dans le centre-ouest, avec l'État New York, par exemple. Mais électeur dans Saint Paul, Minnesota, il y a une opinion dépendamment sur ce choix Walz là. I had a lot of mixed feelings. Il dit moi j'ai un pile sentiment dépendamment. Moi j'aimais que Walz fait un pile bagaille qui protégeait droits femmes, droits reproductrices, droits civiques, droits homosexuels. Ou qu'on ait bagaille qui progressiste. Mais n'était quoi les parts intelligents au point de vue stratégique pour Kamala choisir. N'était espéré l'étape choisie au monde qui sortit dans l'état n'a pas essayé de gagner, tant que Pennsylvanie ou bien Arizona. Citoyen et professeur Jessica Kahanek sent-il fier lui-même? It makes me proud as a Minnesotan that he. Il dit moi sent-il fier en tant que monde Minnesota que monsieur pour représenter Etano. Il fait face à un pile de défis dans Etano à tout ça qui est passé en 2020. Donc, il a une expérience. Moi connais famille importante pour lui. Il aime même monde et moi connais un gros atout. Dans Philadelphie, côté Harris, c'est paraître publiquement à Walz pour première fois, Mounioté positif. Philadelphia is where America was born. Il dit c'est dans Philadelphie, États-Unis, prend naissance. Donc, nous avons une histoire ici. Drapeau a représenté indépendance et liberté. Et moi, optimiste que Harris avec Walz t'a qu'à aider nous prochain objectif insaisissable. Ça. C'est dans la Convention nationale Parti démocrate là, dans Chicago, que vous va nommer officiellement Kamala Harris et Tim Walz comme candidat à la présidence et vice-présidence Parti pour l'élection novembre. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. Guerre et Ukraine, la Russie apprend l'autre développement. C'est comme ça que président russe Vladimir Poutine lui-même il décrit jeudi mercredi yon attaque, plusieurs attaques plutôt que Ukraine fait dans région qui est les courses qui dans sud-ouest pays a comme yon provocation à grande échelle pendant que le président Poutine dit lui-même il continue à combattre et l'Ukraine bon côté pas il était silencieux, il pas fait aucune déclaration sous attaque ça yo
gros attaque, attaque à grande échelle que président Vladimir Poutine dénonce. Nous parlons du pays Bangladesh côté populace, côté prix Nobel la paix. N'a parlé de économiste Mohamed Yunus apparaît pour prendre tête un gouvernement intérimaire après démission premier ministre là. Valérie Seloui a présenté nous nouveau leader ça. Premier ministre pays Bangladesh, la Sheikh Hasina, t'es démissionné, elle t'est couru sauver quitter pays a lundi passé, après plusieurs semaines gros manifestations avec des blousailles qui t'est pété dans pays a. Des blousailles ont commencé avec manifestation étudiants qui t'a revendiqué contre quota travail dans gouvernement. Mais manifestation ça a été bien vite transformé en un mouvement populaire qui t'a demandé démission premier ministre Sheikh Hasina et puis exigé nomination rival premier ministre là à la tête pays a. C'est Mohamed Yunus, lauréat prix Nobel là, qui a été voulu mettre à la tête du gouvernement provisoire. Mohamed Yunus t'a accepté de demande là. Mais qui ça nous connaît de monsieur ça? Mais Bangladesh a bail Mohamed Yunus tino banquier pauvre. Et il est un pionnier dans le mouvement microcrédit à travers le monde. Microcrédit a voulu dire pour prêter moun ki très pauvre l'argent pour dégager yo. Et souvent moun ki joine prêt ça yo, c'est propriétaire de business yo. Mohamed Yunus ensemble à Grameen Bank là que il t'a fondé t'a remporté prix Nobel la paix dans l'année 2006. Peut-être que yo t'a aidé retirer plusieurs millions moun dans état pauvreté dans bail microcrédit prêter moun pauvre qui sorti dans zone rurale Bangladesh yo l'argent pour démêler tête yo. Depuis là modèle prêter l'argent ça t'a inspiré plusieurs projets même genre à travers monde là. Et puis en 2008 Mohamed Yunus t'a lancé banque ça qui relait Grameen America qui t'a concentré sur femmes américaines qui vivent dans pauvreté. Pendant que tu commencé à gagner un pile succès, Mohamed Yunus t'a fini commencer une carrière politique. Et puis il t'a essayé de former propre parti politique par lui en 2007. Et c'est comme ça que tu t'a vini considéré comme ennemi premier ministre Bangladesh là. Ambition politique lui t'a vini provoquer colère premier ministre là, qui t'a accusé comme monde cap soucé sans pauvre. Gouvernement premier ministre Hasina t'a retiré comme chef Grameen Bank là en 2011. Il t'a fait connaître que à 73 ans, monsieur t'a arrêté dans poste ça, dépassé l'âge légal pour prendre retraite lui qui c'est 60 ans. Plusieurs milliers Bangladesh t'ont formé une chaîne immense solidarité pour protester contre l'évocation liée. Mohamed Yunus t'est déjà en bas, j'ai la justice Bangladesh là, à Nessa, côté que le t'a fait face à une série de problèmes légaux. Il était condamné dans le mois janvier passé à 6 mois en prison pour violation de la loi sous travail. Les mêmes avec 13 autres monde t'est accusé pour détournement l'argent dans fonds caisse bien-être social travailleur, dans une compagnie de communication que le t'est fondé. Même moi ça, Mohamed Yunus t'est dit dit télévision indien qui relait Times Now là que lundi 5 août ça marqué deuxième jour libération pour pays Bangladesh là après la guerre d'indépendance contre pays Pakistan dans année 1971. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis. D'après nouvelle qui sorti dans Dakar, dans le pays Bangladesh, eh ben, économiste a supposé prêter serment demain jeudi. Nous parlons de la région Moyen-Orient. Côté groupe Hamas, là, gagné un nouveau leader pendant que gain menace et vengeance qui continue à circuler dans la région. Gentil Augustin Junior. Hamas nomme nouveau leader groupe Amelia, Yahya Sinwar. Li remplacé ancien leader politique Ismaïl Haniyeh, qui était assassiné dans Téhéran semaine passée. 14 décembre 2022, dans 35e anniversaire groupe Hamas, Sinwar était déjà déclaré. Nous prenons arriver sur vous. Si bon Dieu voulait, tant qu'il y a une grosse inondation, nous prenons arriver sur vous avec une quantité de roquettes, nous pas qu'à compter. Nous pral rive sou ou ak yon la pli soldat sans limite. Nous pral rive sou ou ak nation nou an. Attaque après attaque. Sinwar, 61 l'année, te fait nan yon camp réfugié nan site Gaza, ville camp Younis. Sinwar, te passé moitié la vie grand moun li nan prison Israël. C'est leader Hamas qui pi puissant qui rete vivant après assassinat anié. Jodi mercredi a, plusieurs centaines étudiants portaient support yo bay nouveau leader Hamas la. Vice-recteur université Sanaa dit: nous confirmer palestinien yo que Yahya Sinwar que yo choisi comme leader mouvement Hamas la, c'est pi bon et alternative qui pi approprié pour remplacer défunt Ismaïl Haniyeh. Leader Hezbollah dans le pays Liban, Saïd Hassan Nasrallah, déclaré hier mardi que réponse nous
pral fort et puis li pral efficace. Réponse nous an, si bon Dieu vle, yo pral fort, influent ak efficace. Et puis, entre nous-mêmes ak Israël, c'est seulement quelques jours ak la nuit jusqu'à ce que nous rencontrer sous terrain bataille là. Yon l'autre côté, l'armée Israël la pas suspend ak attaque li yo nan Gaza. Palestiniens yo constaté dommage nan building ak tant nan de Halbala nan Gaza jodi mercredi 7 d'août 2024 la. Jodi mercredi ya, Pape François la prié pour joindre la paix nan Moyen-Orient et puis mandé tout parti qui impliqué yo pour yo pas élargi conflit ya. Continue à suivre la situation en Moyen-Orient avec un pile inquiétude. Je renouvelle l'appel à toute partie concernée pour ne pas élargir le conflit et puis pour finir immédiatement avec toute hostilité. Combattant Hamas ont provoqué la guerre Gaza dans le mois octobre 2023. Les ont entré dans la communauté israélienne aux alentours de Gaza dans une attaque surprise qui a tué 1200 Israéliens et puis qui a pris environ 240 otages d'après officiels israéliens. Comme réponse, Israël a lancé une attaque brutale dans Gaza. Li touye environ 39 653 Palestiniens ak blessé 91 535 lot. D'après ministère santé Gaza, troupe Hamas la ap dirige. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Et puis crise politique et électorale a persisté dans le pays Venezuela et qui pendant que eh ben membre opposition ben leader opposition boudé yon convocation Cour suprême nan yon mise à jour. Dans le pays Venezuela, candidat opposition Edmundo González Urrutia fait croire que c'est lui-même qui remporte la dernière élection présidentielle. Il déclare jeudi mercredi, il refuse de répondre à la convocation Cour suprême dans le cadre d'un démarche juridique Nicolas Maduro a fait pour valider le résultat élection et que l'opposition lui-même non seulement rejeté, mais il fait croire tout ça par refléter volonté peuple. Dans une note pour la presse qui paraît sur les réseaux sociaux, M. González Urrutia a déclaré si moi aller dans la Cour suprême, je vais le mettre. Non seulement liberté en danger, mais tout. Et ça que peuple a été exprimé dans la date 28 juillet passé. Candidat opposition qui gagne 74 ans, gagne plus passé une semaine depuis qu'il n'a pas paraître en public, pendant que actuel président Nicolas Maduro régulièrement a traité de criminel. La justice ouvrit une enquête criminelle contre M. González Urrutia et leader opposition Maria Corina Machado pour diffusion faux information, incitation pour désobéissance civile et incitation pour insurrection et complot criminel. Pendant ce temps, il y a l'ambassade pays la Russie dans Venezuela qui fait connaître que bateau de guerre Smolny dans la flotte russe là dans Baltique et ben il trouvé depuis hier mardi 6 août là dans Guarira, une ville dans Venezuela. Présence bateau ça fait partie des démarches qui visaient renforcer relations bilatérales entre la Russie et Venezuela qui gagne la donne énergie, tourisme, économie selon communiqué ambassade pays la Russie dans Venezuela. Et tout ça dans mitan gros crise politique et électorale Venezuela, une crise qui provoquait réaction dans le monde, par exemple Chili, dans voix président Gabriel Boric qui dit que le gouvernement Maduro a fait coquin dans l'élection. El régimen de Maduro a intentado moi pas gagne aucun doute que le gouvernement Nicolas Maduro a essayé de faire magouille, l'a pas présenté publiquement résultat élection présidentielle 28 juillet yo. Et il était déclaré tête vainqueur pendant que le falsifié système informatique. Non seulement ça, il commet tout un paquet de violations de droits humains avec masse pénale sur manifestants yo, ça aucun pays démocratique pas doit accepter. Et président Boric expliquait que toute la raison ça au Chili pas reconnaître résultat Chile élection ça qui bail Nicolas Maduro vainqueur autoproclamado de Maduro. CNEA, conseil électoral là, a ratifié victoire Maduro à 52% pendant que l'opposition lui-même dit que c'est lui qui remporte l'élection et yon victoire que vous qualifiez de la valance. Donc, situation a toujours été très compliquée dans le pays Venezuela avec crise politique et électorale. Sous VOA Créole, on va suivre le programme dans la langue créole haïtienne.
Actualité électorale dans le pays d'Haïti, Petit Dessalines, donc Patia, qui gagne en tête l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles, eh ben, lancé un ultimatum par le président BNCA Raoul Pierre-Louis dans quatre scandales corruption qui impliquaient le représentant lui dans CPTA en parlant de Emmanuel Vertilaire, Yves Manuel. Fait BNC, un message ça yo, gen pouwe ak yon demande l'argent pou yo capable reconduire nan poste li comme président conseil administration BNC. Raoul Pierre Louis gon délai 2 jours pour répondre à ka demande ça. S'il pas fait ça, la loi a gen pour forcer selon sa sommation précisé. Document justifié demande ça par une tentative implication Emmanuel Vertilaire qui représentait Petit Dessalines dans le conseil présidentiel là, comme quoi l'État a mandé l'argent à président BNCA. Petit Dessalines a obtenu bon jan preuve. Patien qui représentait par une équipe avocat, gen la donne, Maître Stanley Gaston, Michel Bernard Rosenberg et la Trier. Semaine qui s'est passée là, n'a pas appelé, gen diverses allégations que t'as fait quoi, 3 conseillers présidents yo t'as impliqué dans la corruption. Institution pays d'Haïti qui chargé pour goumen contre fléau ça saisi officiellement par avocat plaignant président conseil administration BNC yon enquête diligentée dans l'idée pour éclaircir scandale ça qui capable discréditer certains membres dans CPT selon un tweet Edgar Leblanc fils qui c'est président institution ça lui-même l'été fait n'a souligné. Lundi 5 août 2024, là, enquêteur ULCCO tendait président conseil administration BNCA dans le cadre d'affaires corruption ça qui impliquait 3 conseillers présidents. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et bien, la communauté haïtienne dans le pays, la France, qui réagit par rapport à la situation dans le pays et d'Haïti, nous allons rejoindre Franklin Edouard Jedems depuis Ville-Paris. Pendant période grande vacancio et jeux olympiques dans le pays la France, en pile moun en dans communauté haïtienne de France tant tarmé ouais dans période ça, c'est en Haïti pour tap vivre moment ça yo. Yo critiqué dans façon pa yo gouvernement Gary Conil là et force la Kenyan dans tout selon eux même qui beaucoup bail aucun résultat. Pas pour aucune force étrangère t'est rentré dans pays a. Mais après l'homme réfléchi, moi dit si c'est pour aider Haïti ou redorer blason retourner janteye a, pourquoi pas. Mais pour l'instant, on peut attendre vraiment aucun résultat souterrain. On commence à prendre terrain, mais pour qu'on ait aucun résultat concret. Nous t'ai pensé, venir Gary Conil, ça t'a pris une source d'inspiration pour pays par rapport avec insécurité qui établit dans pays. Ça fait longtemps. Jusqu'à présent, nous pourquoi avoir un signal qui baille. Pendant Monsieur est venu, pendant Gary Conil est venu, il a attaqué Grissier. Pendant Gary Conil est venu, il a attaqué Gantier. Et faut dans toute zone ça, c'est des zones nous capables de dire et c'est pas des zones comme ça. L'on dit Gantier ou dit ces ressources naturelles pays a gain actuellement. C'est une incompréhension totale pour jeunes étudiants en droit et géopolitique internationale là dans le pays des États-Unis qui viennent en vacances dans le pays la France. Parce que selon lui-même, Premier ministre Gary Conil t'est inspiré en pile crédit. Écoutez, faites des ou pas, mais pas oublier, il y a la loi, la constitution. Gary Conil, il a gagné pour l'esclave d'abord la loi comme Premier ministre. Et les membres du conseil présidentiel, la travail avec le conseil, puis mener bon match pays à 7. Cependant, si à Bali, on est capable de des lords qui pas légal, on faut que les gens croient pour le dire ça. Les pas bon pour pays. En plus observateur tout, t'as même fait PM Gary Conil songer mission parce que pour eux-mêmes PM n'a perdu. Nous voulons bailler monsieur Gary Conil 6 mois pour lui nettoyer Port-au-Prince. Et arrivé de Kenya aussi, m'pa konnen, en tant que yon force militaire qui coûte nous beaucoup d'argent, il faut que haïtiens comprennent que l'argent que Kenya yon vini là, c'est pas américain qui a bailli. C'est sous nous haïtiens que yon pral prend l'argent ça pour Kenya yon vive dans le pays. Égal, nous même là dans la communauté haïtienne de France, nous baillons 6 mois, moi-même qu'a dit nous baillons 6 mois parce que tout le temps nous pas reler à ba, n'attend yo, nous baillons monsieur Gary Conil 6 mois avec gouvernement là
Et aussi, nous avons M. Biden aussi 6 mois, parce que je pense que c'est le CARICOM qui travaille avec les Américains qui voyait force ça à nous. Bon, jusqu'à présent, nous pouvons comprendre, monsieur Kenyan, pour l'instant, c'est touriste jusqu'à maintenant. Et puis, la médaille ici, nous pouvons en fonction vraiment dans la zone PAMNA, surtout Gantier. Ni Port-au-Prince, ni Grèce, ni Léogane. Nous avons eu 2 missions. La première mission, c'est établir sécurité en pays. La deuxième mission, c'est élection. Jedems Franklin-Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour les Voix de l'Amérique, créole. Et bien, nous parlons en Floride, côté une équipe ancien étudiant, faculté de médecine et pharmacie. Donc, 25 ans après, ils ont même été réunis dans Miami pour témoigner solidarité avec la faculté et docteur Reginald Bolos, qui était parrain de promotion, qui prend la parole dans l'occasion. Pierre-Renel René. C'était d'abord un moment chargé avec émotion pour anciens étudiants rencontrés 25 ans après ils ont été gradués dans la faculté de médecine en Haïti. À travers soirée gala, ça y est organisé dans l'État Floride week-end passé à promotion Jacques Arthur Durosier en Tévelé rassemblé moyen pour continuer à supporter faculté à dans projet Lio. Depuis près de 5 ans, classe 3, et maintenant, et collecter l'argent pour faculté à côté que nous avons créé un fonds d'ESP avec France Ayo, nous allons financer et de faculté avec financer le projet que nous avons. Soirée fondraising ça a déroulé dans un moment côté ces bandits qui contrôlaient local faculté et après ils ont pillé espace à n'importe où prince dans commencement année 2024 là. Yon tristesse pour médecin promotion qui voyageait sorti dans tout États-Unis en Crèce Amérique du Nord pour rencontrer trouvaille ça. Parraine promotion dans l'année 1999, yo, Dr. Reginald Bolos fait appel à solidarité et puis engagement promotion pour aider dans la reconstruction faculté à dans un pays détruit. C'est l'espoir qu'a remetté sous pied Sindoué Kwedi School fait dans ces circonstances-là. Mais célébrons la vision d'une faculté reconstruite et plus vivante que jamais. C'est aujourd'hui le grand rêve, le grand combat. Dans ce combat, et malgré les difficultés personnelles, vous pouvez compter sur ma solidarité et mon support. Car, comme je le disais souvent, yon combat, rétion combat. Événement ça a servi tout pour honorer plusieurs anciens professeurs, anciens doyens faculté à pour contribution dans la vie faculté ça. Parmi eux, Dr. Gladys Tassi Prosper, qui sortit directement à Haïti pour te venir participer dans la cérémonie, hein. Puis fort participant, yo sortit tout partout à l'étranger. Ça qui confirme les chiffres qui révélaient 85% professionnels haïtiens qui gagnent un diplôme ou bien une licence. Pas vivre dans le pays, hein. Moi, c'est Pierre-Renel René, depuis Miami, État Floride, pour VOA Créole. Et c'est avec le reportage Pierre-Renel René que nous avons mis fin dans le programme. Mais avant d'aller, nous avons un tableau médaille Jeux Olympiques qui a déroulé dans la ville Paris, dans le pays la France. D'abord, États-Unis avec plus quantité de médailles, les numéro 1 et bon numéro 1 parce qu'il y a plus de médailles d'or. Donc, les République Corée et puis semble la Hollande avec Canada. C'est là n'a pété fin dans programme non. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Nelson, me souhaite bon vacances, enjoy et puis semble Rob McLean et puis Mac Hervé Abela. Moi c'est Jacques Labelizer, donc rendez-vous c'est pour demain. Merci d'être côté branché. La société laisse me dire que moun akaye et cabaret qu'on est une soirée m'a dit très très difficile. Et bandit 5 secondes que Iso a dirigé, nèg yo sorti de village de Dieu, on parti là dans pour me dire bien, nèg yo décidé envahir moun akay a cabaret et nous apprendre ta que plusieurs moun qui prend balle, qui au même ta mouri et que plusieurs blessés et nous apprendre tout ta que plusieurs dans présumé bandit yo, mais dans théorie yo même tout qui sorti victime dans quatre attaques qui ont été fait sur moun cabaret akay. Jodi laissez me dire nous. Bandio tellement à l'aise, et pas à l'aise, pas c'est blaise, non, mais yo tellement à l'aise, ou imaginez que nèg yo sorti et
et village de Dieu, parce que pas oublier que Iso, Li et Papi et M. Sexe Goldio, dans différents groupes armés, il y a dans Jeff Kana en Gaulois, il y a qui dans 400 Maozo, il y a qui est Papi en dedans vivre ensemble. Mais à travers une petite vidéo que nous avons gardé des Ibanez, nous capables de voir que bandits, les criminels, les terroristes, ils ont réclamé ça arrivé à Kaye Kabareyan, que c'est eux-mêmes, équipe Iso Sexe Goldan, qui posait action ça. Jodian, l'État pas présent dans Arcaïe, l'État pas présent dans Cabaret, l'État pas présent dans Payan. Qui donc jodian a dit que désir, ni Cabaret, ni Arcaïe, yo sous contrôle bandit armé yo sous contrôle criminel assassin dans pays d'Haïti. Jodian, qui sa autorité qui l'a, soit disant PM Garikoni, soit disant DG la police Ramon Amil, soit disant conseil présidentiel yo, et qui sa a posé et qui sa fait comme action pour yo capable de porter réponse avec situation insécurité que moun Akaye et pays a connait. Nous braguer pour la Kaye pour la connaître ça gué comme information en détail des histoires en bajou mon frère. La situation insécurité assez presque dans tout pays a la paix augmenté par rapport avec laxisme, irresponsabilité, autorité au qui dans la police ak dans l'état central qui croise braio cap observer ta pour jondil moun akaye te connaît des situations extrêmement difficile. C'était un gros vent panique tout et qui t'a soufflé dans la commune Cabaret journée qui était 6 et d'août 2024 là et dans conflit coup de balle qui t'a éclaté et qui t'a tiré sorti dans zone Guiton élève qui t'a composé t'a trouvé dans une situation qui était extrêmement difficile. Ça veut dire journée examen baccalauréat et c'était une journée bouleverse à cause coup d'âme qui t'a tiré habitant qui dans commune Liancouyo la guette des bras balancés côté situation insécurité a augmenté presque chaque jour. Et bien situation si là était pratiquement et prend cher depuis 6 juillet 2024. Depuis lors, dirigeant yo pas jamais dit rien. C'est une équipe qui, à travers table sectorielle à Liancourt, qui regroupait divers secteurs dans la communauté, dans le département de la Tibonite, qui exigeait autorité pour faire la police tourner dans la communauté pour permettre que les citoyens soient capables de vaquer avec activité. Force révolutionnaire, entente nationale, frein, c'est non un nouveau parti politique qui présentait hier 6 d'août 2024. Qui est-ce qu'il a dedans? Eh bien, Wajen, ancien ministre et MTPTC, ministre et qui lié directement et qui pratiquement te gagne responsabilité en dedans pays à dans gouvernement Jovenel Moïse et dans MTPTC, dans ministère de travaux publics, transport et communication, et bien Guy Philippe qui c'est coordonnateur national au niveau et parti Sila. Même ça, Guy Philippe annonce cette situation, lié pour la faire parade en Afrique et pour la laisser d'autres garder, pour la chercher qu'on est tourner la racine, pour la qu'on est est-ce que ça qu'elle gagne comme révolution qu'elle a annoncé en dedans pays a et gardez mes dames dans conseil présidentiel transition dans gouvernement Konina qui pas représenté rien qui pas fait rien pour pays hein. Et bien on va regarder qui j'ai au cabran quelle situation et révolution cette fois-ci qui venait semblait annoncer pour de bon surtout les regarder divers conseillers présidentiels qui ont plongé dans la corruption en dedans pays a premier ministre Guy Koni bonjour par la vérité qui rend que la vie peuple haïtien a 24 fois plus difficile et lamentable. Premier ministre Guy Koni ak ministre éducation, nous voulons parler d'Antoine Augustin. Dans la première journée examen, il a défilé, il est allé dans le Canada, 20 personnes. Il a loué et le vieux a composé. Dans le moment tout, à travers la visite, le premier ministre Dr. Guy Koni a eu intention pour réaffirmer l'engagement du gouvernement qu'il a dirigé à gagner pour le camper à côté de Timoun l'école. Cependant, examen organisé, si moun yo ki nan kwa de bouquet, les personnes yo te trouvé yo nan gros difficulté pou yo te joine fiche d'examen pou yo ta composé. Si moun ki te nan Liancourt, examen pas organisé nan commune Liancourt parce que pa gen centre d'examen nan ça. Et le premier ministre a fait quoi? Li pral pran engagement, el profite pou le montrer détermination pou le travail pour renforcer système éducatif là en dedans pays ya. Et yo tout profite tout pou yo di que yo pral pote support pour ensemble ti moun yo. C'est promesse ministre éducation ak premier ministre rive fait. Ou supporter parents yo et continuer et grand décision sur la vie timoun yo gouvernement à travers ministère éducation nationale. Eh bien non ça que yo gen pou yo yo annoncer question financement pour année scolaire support pour parents élèves dans l'école publique municipale à communautaire yo. Eh bien yo garder pour yo yon affaire de 280 000 parents qui pral gagner pour yo joindre support à travers divers départements en dedans pays. Qui ça support à pied, yo parle sorti de 15 000 gouttes pour arriver 20 000 gouttes. Qu'on y a qui question qu'on nous pose tête nous. Qui l'école, comme yo parle de l'école communautaire, yo parle de l'école nationale que yo pral payer à travers 15 000 gouttes là, mais qu'on y a engagé.
apil ti moun yo ki abandonne kay yo, ki pratik pa al nan lot kominote, ki pral bezwen pou yo paye taxi moto pou ane skolèr, eske sa li pral permèt ke yo repond avèk bezwen ti moun yo vreman. Yo gade tou, distribution liv pou klas premye ane pou rive katriyem ane. Nan premye sik, l'ekol de baz. Yo gade tou, distribution e sa ki ke pouwe avèk trous l'ekol uniform ak ban ki yo dwe distribye tou Blaise Peterson pou ane skolè ki ap vini an. Yo pale renforcement, multi-publication, kantine l'ekol yo. Yo gade etablissement yo. Yo gade formation professeur pou kat nouvo matyèr ki yo pral genyen, kat nouvo matyèr de baz ki yo pral genyen, ki yo pral rentre nan sistèm edikatif la. C'est-à-dire, edikasyon estetik ak artistik, yo pale de sa tou. Sonje ane denyèr, yo tape se wèsyo te kap inserel, paran yo te leve fwa ou te di non ki yo pa prepare pou sa pou ti moun yo al kompoze nan model matyèr sa ou paske pat ko genyen professeur pou yo. Yo gade edikasyon fizik ak espo. Yo gade edikasyon teknoloji ak aktivite e produktif, yo ese donc gade sa yo, yo gade edikasyon a la citoyenneté, yo gade validasyon, aplikasyon, kad orientasyon, kurikulum ki yo pral genyen, pou yo gade nan l'ekol ki pral louvri pou 1er octobre ke M. Damio anonse a Blaise Peterson. Deuxièmement, c'est qu'un ensemble de points ça qui nous pral faire débat sur mais pas oublier Jean Détian. Nous pour aller dans cabaret Akaye parce que là il est vraiment intéressant et l'aime dit intéressant qui c'est parce que je dis en là. Vous imaginez que deux groupes armés sorti juste dans village de Dieu dit moi est-ce que sorti canard à l'envahi moun dans Akaye cabaret et déjà cabaret Akaye c'est de côté qui est déjà abandonné, la police pas présent, l'état pas présent dans zone ça yo et je dis en imaginez que dans quel niveau que bandi a décidé d'envahir attaquer moun qui vivent dans zone ça yo, m'a dit qui ça l'état et qui ça autorité yo a privé faire pour capable contre carré action bandi qui a pas problème dans zone cabaret à Kaye parce que c'était environ 1h 2h 11h en soir mon yo t'a lancé SOS mon yo t'est obligé à prendre rage à prendre mon prio pour pas victime en babal bandi armé et élève t'a proposé dans 300 examens dans niveau Akaye et yo a proposé sous tension sous pression yo a proposé Andy pendant que j'ai souffert là il a veillé pour est-ce que bandi pas bambay yo ensemble de samba c'est que nous analyser yo nous prêt regarder yo et nous prêt attendre yo désir Venesse entre-temps nous casser les examens j'en crois habitué faire chaque jour et puis pour aller dans la avec collaborateur yo. Très bien Blaise Peterson n'a salué Shekina qui toujours avec nous qui estime que travaille là important pile nous pas Shekina Grégory Toussaint, non? Non, bon, pas que c'est Shekina Grégory Toussaint, mais son Shekina qui est toujours avec nous, nous partager salutations et big up à Marie-Jasmin qui est toujours avec nous. On dit Marie-Jasmin, merci en pile pour écouter, pour fidélité avec Messac Nouvelle, Blaise Info, Pain Nouvelle. Nous saluons Fanez et Simfon qui est toujours avec nous tous. Nous disons merci en pile pour écouter avec fidélité. Nous saluons Raphaël Saint-Ville qui est toujours branché. Nous disons grand merci. Nous saluons Alvarez Tosso qui est toujours avec nous. Oscar Odius qui est toujours branché. Nous disons merci en pile. Ça fait un grand plaisir. Franzi Charles, big up pour mon frère. Nous content ouais, qui est toujours avec nous. Nous saluons également Zanissa qui pratique penser et Brunel René qui est toujours avec nous. Merci Brunel Redesca. Nous comptons ouais, qui est toujours fait la route avec nous et qui te commentaire dans quatre émissions qui nous présentent sur mes sacs nouvelles. Nous saluons Laurette Basile qui est toujours branché. Nous disons Laurette Basile, grand merci parce qu'elle est toujours avec nous. Nous saluons Patrick Chéri qui est toujours branché. Nous disons Patrick Chéri, merci en pile parce que vous toujours là, vous regardez ensemble émission et réagir là-dedans. Immaculée Vénéus, merci en pile parce que vous toujours là avec nous. Janine Petit Homme, big up, merci parce que vous toujours avec nous. Carole Charles, merci pour écouter, merci pour fidélité. Et oui, Charles, merci pour écouter avec fidélité également. Yveline, merci parce que vous toujours avec nous. Marie, merci Marie parce que vous toujours avec nous. Ça fait un grand plaisir. Laisse nous faire écouter nous qui est toujours là. Fred Pelé, merci parce que vous toujours avec nous. Ça fait un grand plaisir. Nous saluer et Immaculée Lafleur, merci parce que vous toujours avec nous. Ça fait un grand plaisir pour nous connaître qui est toujours avec nous. Marie-Claude Germeville, merci parce que vous rejoignez une famille. Mais ça nouvelle Blaise Info Point Nouvelle 24 Loire Info Racine Nouvelle Haïtien. Nous saluer Jules Alex Aldor, merci Jules Alex Aldor, merci parce que vous toujours faites partie des amis qui suivent l'émission et réagissent dans ce qui gagne pour être avec l'émission qui est présentée et sous mes sacs nouvelles. Junior Pierre, merci pour écouter, merci pour fidélité mon frère. Nous comptons parce que vous toujours avec nous, ça fait un grand plaisir pour nous partager. Salutations à coup pour écouter. Nous saluer Nanette Beaubouin qui est toujours avec nous. Merci Nanette Beaubouin, ça fait un grand plaisir. Content que vous toujours avec nous, ça fait un grand plaisir parce que vous faites partie de la famille mes sacs nouvelles. Nous saluons Nicolas Ferville, merci pour écouter mon frère. La situation, c'est ensemble nous sommes qui sous l'issue pour nous saluer. Pour émission ça, je dis, et sans doute nous t'a dit, alors là, on a joué Claude Naider.
Stéphane, Fred Kelito Banat, qui pral di nou, ki jan la rue Port-au-Prince yé pou kounye a plein situation. Effectivement, et des Ibanez, nous allons regarder avec Clonard et Antoine, mais j'en dédie, hein. Nous allons mettre direction projecteur, nous allons limer dans la ville Akay et Cabaret, et concernant la situation sacrivée, dans la soirée que t'es mercredi, mardi, hein. Et Clonard et Antoine, mon frère, s'il vous plaît, chaque fois que vous avez nous, et pour nous informer, ça m'était nous dans l'émission Parler pour Changement, nous allons aller directement, puisque j'aime déjà dire, et m'a appris ça, et Bandi, bon, on dit, n'est-ce qu'il réclame action passée, Bandi, iso sexuel conduit au village de Dieu, n'est-ce qu'il décide en va, mélangé avec de l'autre bandit et les canards en Dieppe Gouroyo, qui ont décidé d'envahir mon cabaret à Kaye et qui mettaient en pile sang, en pile d'ail, dans le temps de la soirée de mardi, si là ou tant. Clonard Antoine, comment est-ce que vous avez comme information en détail? Merci à toutes les personnes qui vous saluent, qui vous saluent, et les Ivénès, et tous les amis internautes qui sont toujours avec nous dans l'émission Parler pour Changement, qui c'est l'émission PAO. Et Jean on dit le blessé personne et hier soir mais bagaille pas douce du tout mais capable dire dans commune Akaye surtout dans commune Cabaret mais hier soir bandi mais envahi mon ça dans zone ça mais c'est surtout bandi Jean dit 5 secondes et avec Taliban yo mais monsieur ça même qui fait un seul mais qui envahit commune Cabaret qui mettait en pile deuil mais dans commune ça. Eh bien, faut que nous ayons plusieurs moun, environ une dizaine moun, eh bien, qui perdit la vie dans la commune de Cabaret. Eh bien, ça a coupé tête, yo, ça a eu une capable de tirer, et gain caille, tout, eh bien, yo piqué différent, yo, et gain l'autre matériel moun, yo même, qui yo mette différent, yo, dans zone ça. Eh bien, ayer, m'a dit qu'il était une capable de quitter 6 d'Aoua, eh bien, c'est une commune Cabaret avec Akaye, ou même, qui passait, eh bien, yon mauvais moment ayer, ou soir. Eh bien, monsieur, même qui débarquait en sangot, vraiment, eh bien, qui mettait en pile d'œil dans la zone. Mais faut qu'on dise tout blaise, et pas vraiment gagner présence la policière, eh bien, dans la zone, ça, lui-même, qui poussait monsieur, même, yota e bada plus, eh bien, dans la zone, ça. Mais depuis pour semaine dans blaise, qui t'aime signaler ça, depuis l'aime à passer, eh bien, dans la zone, bon repos, lui, on t'y gens difficile pour m'être capable de remarquer, eh bien, monsieur et taliban, yo, dans la zone, côté où on habite, ouais, yo. Sous la rue, sous l'action, eh bien, c'était vraiment difficile pour me capable de voir, de voir qu'on a des positionner, eh bien, l'aime passer, moi, porte caillou fermé, côté où qu'on positionne, moi, je power, eh bien, c'était Assos à lui-même qui t'a préparé. C'était Assos à qui t'a préparé, eh bien, monsieur, même, qui menait Assos à dans zone, dans la commune Akaye et Cabaret, eh bien, hier soir, j'aime Diablaise, environ une dizaine de monde, qui même, ils ont perdu la vie, et, on va dire pour matin là, eh ben activité même pas trop en forme toujours, eh ben dans zone ça, activité toujours pas trop en forme. C'est vrai, les nous garder dans zone bon repos dans on prend et gagne quelques machines qui a chargé qui a prélé Akaye Cabaret. Eh ben mais activité même pas trop en forme. Machine même capable toujours eh ben prendre direction Cabaret ou du moins direction Akaye, mais c'est dans bout route que il y a metté Mounio et nous capable remarquer tout. Il y a quelques machines tout qui a rentré, quelques camionnettes qui a rentré sorti ben dans zone Cabaret à Kaye qui chargé avec marchandises mais qui a rentré malgré tout activité yo même yo proposé prendre net ben dans zone ça parce que ben c'est hier soir monsieur même yo mené asso ça et c'est un asso qui a continué parce qu'on connaît et puis monsieur même yo mette monsieur ça même yo mette pied dans espace et puis objectif là pourquoi atteindre. Eh bien, yo pas bay vague. Eh bien, faut que moun qui dans zone ça yo, ça qui poko couri yo, ça qui poko quitter la caillou, faut que fait en pile précaution, en pile prudence, parce que monsieur même yo toujours, eh bien, dans zone là, yo toujours dans bloc yo, eh bien, pour capable continuer, eh bien, mener à ça, eh bien, que autant mais hier soir, eh bien, dans commune Akaye la situation. En nous gardant, non, commune Akaye Cabaret, puisque moi, on est arrondissement et Cabaret, bien Akaye, j'ai eu dit là, et qui gagne Cabaret, qui gagne Akaye la donne. Mais on dit, arrondissement, soit qui mêle avec deux communes, ça, Cabaret et Akaye, et la police, mais l'État pas présent, pas seulement la police, mais l'État pas présent dans la commune, ça, au Clonard, selon ce comme information. Non, l'État pas vraiment présent dans la zone ça, yo, et j'en dis à tout, la police tout, eh bien, il pas vraiment présent. Et tant qu'on a le commissariat qui gagne à Akaye à Blaise, capable de contrôler sous doué tout, eh bien, une quantité policière administrative qui l'a dans, eh bien, ça tout qui fait travailler l'histoire, permettre que monsieur eux-mêmes, ils retirent quoi, eh bien, qu'on y a la moune eux-mêmes, moune qui dans la zone, qui a vécu dans la zone, ils ont vu livrer, eh bien, à eux-mêmes seulement,
dans la commune, ça, mais pas vraiment gagner présence l'État et tout pas vraiment gagner présence policière. Ah ben non, John Sao, t'as pu nous capter commune Akaye et Cabaret Blessation. Dizaine avance avec Tonade tout bon et par rapport avec question et à Cabaret Akaye. Mais j'en dis là et CSOS cap lancé moun nan Cabaret moun nan Akaye côté que bandi envahi John Sao et commune Sao. Oui, depuis hier après-midi et SOS même t'a lancé et pas vraiment gagné présence policière mais ça qui arrivé hier soir. Ben li rivé environ 10 moun, en dizaine moun, yo même yo perdu la vie, ça a coupé tête, ça a arraché des personnes et majo vraiment choquant et gen en pile moun tout qui était courir quitter la caillou, ben pour permettre ben monsieur eux même yo pas rivé, ben sou yo pour pas victime dans zone ça. On avance les ici avec Claude. Très bien, Claude Daide Antoine, on essaie donc regarder parce que nous connaît nous dans plein période examen et est-ce que ça qui rivé dans cabaret à caillou et hier après-midi pour arriver hier au soir, est-ce qu'elle totalement paralysé question examen baccalauréat qui t'a organisé dans zone ça? Qui est en situation pour élève yo? Ah ben situation pour élève yo des îles capable dire chaotique et parce que on connaît et hier soir et c'est hier soir soir mené et jodi a il même il troisième jour examen et ben officiel yo et ben il y a pile élève yo même en pile élève avec parents yo même qui courir quitter la caillou et qui pourrait quitter la caillou. Donc Josia là ben il t'a supposé aller proposer ben dans salle d'examen mais pas gain ça c'est vrai et ben gain quelques salles d'examen même a boumé qui a forcé pour ouais est-ce que et ben on est capable finir avec poser examen officiel là qui c'est Josia avec demain CV mais gain en pile élèves yo même qui pas arrivé et ben qui pas arrivé rentrer dans salle d'examen Josia par rapport ben avec Axo ça qui bandi au mené mais zone dans lui même vin sa séparer casuel timide et en pile nan moun ta ou même qui ta vive nan commune Akaye et Cabaret et ben yo couri et la caillou hier soir mais posé examen officiel là li même capable puis et ben li pa fini il va finir nan commune ta par rapport avec ça qui même qui passait hier soir. Très bien. Pour y a on regarder et est-ce que situation ça qui produit nan Cabaret avec Akaye et qui jan circulation y nan et rentrer nord pour aller non et capitale pays à l'ouest qui en ça est pour jodi a et ben vous pouvez quitter me dire gain circulation li même li fait circulation li même li fait surtout dans rentrer nord là même si dans rentrer nord là là sur route nationale numéro 1 parce que ben AKR avec Cabaret c'est sur route nationale numéro 1 même positionné yo et ben nous remarquer gain quelques canonnettes yo même qui a rentré avec marchandises pour autres pour pile l'âme véritable en pile Mayotte qui a passé aussi ben dans zone ça et pour ça tout nous remarquer quelques minibus qui même qui a pas prendre direction ça qui a pointé sur route nationale numéro 1 qui a pointé sur Cabaret AKR mais est-ce que ben il y a une possibilité pour capable passer dans espace ça mais nous avons en pile qui chargé mais qui a prendre direction ça pour dans niveau ben rentrer plus là c'est surtout là ben machines qui pointé sur route nationale numéro 1 yo même yo chargé mais nous remarquer minibus ça même yo chargé et pour ça tout gien chauffeur moto yo même qui toujours fait espace ça mais jodi a nous pas trop ouais yo en pépan et ben gens ça qu'on habitué de pour river dans niveau 49 chauffeur moto ça qu'on toujours en pépan avec sac paillo yo a chargé pour capable protection Cabaret pour capable protection Camicho Camichel avec madame Sarah mais jodi a ben ça lui même il continue diminuer bon côté chauffeur moto yo. Mais c'est une situation lui-même qui a fait des outils timides parce que il y a quelques camionnettes qui a fait aller vignan, des quelques chauffeurs moto qui a fait aller vignan, mais c'est pas à la coutume, mais gens ça lui-même ils sont liés ben dans jour avant eux, dans jour passé. Ça veut dire malgré situation insécurité qui gagne et dans AKR sur route nationale numéro 1 parce que nous remarqué en vidéo qui viral côté bandi yo réclame de 5 secondes qui dans espace Bercy et qui sont localités qui dans AKR côté moun yo te gagne des barricades qui te gagne dans zone là malgré bandi yo a fait tout ça qui a fait comme exaction yo pas empêché circulation c'est ça vous voulez faire nous comprendre quoi d'ailleurs et y a pile chauffeur des qui employer l'autre stratégie tout. Yo employé l'autre stratégie, on va passer sur route principale là, on va passer sur axe principal là qui c'est route nationale numéro 1 et yo faufilé pour dans route par en dedans, dans route terre et ben yo même yo faufilé pour là pour capable prendre direction et habituellement tant que chauffeur camionnette qui a prendre avec machin du yo, c'est surtout et ben axe ce aïe, qui t'a touché pas bon.
s'excuse. Qu'est-ce qu'il y a de ces cas-là? Qu'est-ce qu'il y a de ces cas-là? Qu'est-ce qu'il y a de ces cas-là? Nous pouvons au courant parce que l'IFET à distance pour là. Ok. Et l'IFET dans niveau station province là. Voilà. Musique table, je viens de couper, mais go, est-ce que c'est des machins qui ont appris? Oui, vraisemblablement, parce que nous, les machins, nous, même, ils ont appelé V en bas, dans l'empreinte et rentrée 17. Donc, on 2, 3, 4, tout, je viens de faire là. Oui, nous n'avons pas avancé désir pour nous dire, eh, chauffeur, ils ont même, ils ont profité de faire, eh bien, axe secondaire, eh bien, ils pas passé sur l'axe principal là par rapport avec Jean Mounio même. Yo ka griye route nationale numéro 1 et côté yo bloqué et mais qui permet qui a permet chauffeur eux même yo pas ka rive et mais passer sur route nationale numéro 1 et chauffeur eux même on connaît et chauffeur bus ça eux même chauffeur minibus yo yo gen en pile stratégie et mais yo passer dans route par en dedans pour y aller déboucher puis devant et ben dans l'autre zone pour capable prendre direction en ben soit Saint-Marc Lester ou du moins Gonaïve. Très bien. Et ça veut dire minibus yo yo gen accès yo traverser mais yo passer par route découpée séparagée que yo passer mais kounya on essaie d'autre regarder est-ce que sécurité moun yo vraiment garantie dans franchi route terre ou bien route rasée que a fait ou pas de pièces détail sur route ça que chauffeur a fréquenté et les route ça ou chauffeur même yo fréquenté yo dans axe secondaire yo et c'est surtout route qui très 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 fragile. Très fragile, très difficile parce que et pas vraiment gagné moun dans zone ça. C'est surtout et quelques routes que chauffeur même yo tenté faire rapide pour capable aller déboucher dans l'autre axe et route ça même pas vraiment en sécurité parce que en sécurité si route principale la désir pas en sécurité ou pas besoin de présence policière eh ben route qui pas en dedans même c'est pi mal eh ben chauffeur même qui résier yo et passager tout qui marre que yo eh ben pour capable faire route et secondaire pour capable eh ben à déboucher puis devant pour éviter eh ben zone côté qui gagne des blousayo tant qu'on dans zone Bercy j'en saute dit là et dans commune Akaye et même Kabare. Très bien. Kounya, on essaie de regarder à moi et non parcours que vous faites pour sortir sur route nationale numéro 1 dans rentrée nord pour atterrir Carrefour aéroport qui j'en ouais présence autorité policière yo parce que songez qu'on parle nous des trois chats que qu'on ouais qu'on camper et surtout dans niveau plein non pour contrôler rentrée et sortie et bandi avec Zamio. Est-ce que vous remarquez la présence de la police dans le passage ou dans l'ensemble des zones quand on est et blindé ou campé quand on est la police qu'on y est? Et hier, Désir dans l'aide d'avoir intervenu ensemble avec nous et rentré dans l'Altecal, là, on va aller dans la zone pour l'émission. Et dans l'aide d'avoir intervenu avec nous hier dans l'émission parler pour changement, et c'est une zone, dans la zone pour l'émission qui était calme, qui était calme. Et tout d'un coup, après m'pin intervenu ensemble avec nous dans l'émission, ça, même t'as pas le recevoir et des messages qui dit même zone dans lui-même liguetant bloqué raison cause zone dans lui-même était bloqué hier et ben aux environ de 2 heures et t'ai gagné trois chats blindés qui rentraient ben dans zone quoi d'émission et monsieur mais au désir t'allez bien yo fin quitter chats blindés au rentrer ben dans zone quoi d'émission yo positionné yo ben monsieur bloqué trois prêts et qui ca permettre chats yo même yo sorti yo bloqué zone Kazo. Yo bloqué zone du Boyer avec yo trailer et yo bloqué Carrefour Marin tout mais qui capait chasse à eux même yo sorti et mes chats eux même yo te vinn prendre un sandwich et que yo fermé yo en dedans et pas de possibilité pour chasse à eux même yo te capable sorti tête yo là c'est surtout dans zone quoi d'émission hier après-midi et qui en pile pour zame vraiment en pile pour zame qui t'est tiré hier et ben dans zone ça qui t'est capable qui pour te permettre et ben monsieur Améo vider les lieux et surtout mais pour la police lui-même t'es capable de joindre un renfort pour t'es capable de venir débloquer ou que et trois chasseurs